Et voilà celle que nous attendons, Émilie, un petit peu malheureuse, on le rappelle, lors du concours général, de chute à la poutre. Elle a l'occasion évidemment de remporter un nouveau titre aux barres asymétriques. Allez, c'est parti pour Émilie. Aujourd'hui, un nouveau mouvement. Elle a rajouté, je crois, un lâcher de barre. Ça va commencer tout de suite par le tour volant et le fameux def. Ça rattrape. Oh oui, magnifique. Et voilà ici la grande nouveauté, un deuxième lâcher de barre. Elle prend le dessus hein, par rapport au jeu. Elle veut pas lâcher, elle veut confirmer, vous montrer que c'est vraiment elle la meilleure. Elle continue parfaitement bien son mouvement. Le plus gros est passé. Et là, la sortie, attention, prise d'élan. Double arrière avec oh vrille, oui, puis magnifique chute. Émilie Le Pennec est toujours au commandement, elle est toujours la patronne à cet exercice extraordinaire, Émilie Le Pennec, franchement. Ah oui, là, il n'y a pas de doute, elle est vraiment au-dessus du lot. On a pu voir là. Ah oui, on a vu des difficultés quand même beaucoup plus grandes. Regardez, tour volant, premier lâcher de barre et directement le def juste derrière. La vrille ennemie, elle voit sa barre et elle rattrape. Et ici la sortie, on pack full groupé. Réception pile. Ah oui, bien pilé. 9,687, la même note qu'à Athènes. Émilie Le Pennec est championne d'Europe après avoir été sacrée l'année dernière championne olympique. Superbe, superbe pour la gymnaste de l'US Créteil. Émilie Le Pennec s'impose et Marine Debauve est encore placée quatrième.